Là, qui kiffe. Alors. Parce qu'en fait, j'ai seulement récupéré déjà des livres de ce truc. Au cours de vos aventures, vous avez découvert un livre appartenant à Frère Thiel, l'ancien maître des Écritures, la mission de Saint-Odwing. De toute évidence, les goûts littéraires du moine étaient... Il va trouver 0 sur 10. En fait, je n'ai pas trouvé. Tant pis. Nous l'emporterons. Ouais. On fouille un peu les bicoques. Rebonjour. Oui, c'est Ram. Et j'ai une putain de mouche qui me... Moucheron de merde. Putain. Bon, y'a rien ici. On va voir s'il se passe des choses là-haut. Putain, mais pourquoi en plus elle vient juste sur... Moucheron de merde. Le putain de moucheron, tu sais, qui passe bien juste devant ta gueule, tu sais pas pourquoi. Ça le fait kiffer. Alors ça c'est vilain. Parler à Frère Tuck là. J'ai rien à battre. Mon poulet. Mon poulet, j'ai dit. Pas après la tombée du jour. Alors, dans l'auberge, normalement, il y a des choses à faire. Effectivement, il y a une quête. Vous venez d'arriver à Gorart ? Apparemment, il y a aussi un truc de soin. Petit livre de nombreux tomes de l'aventure, un ouvrage qui relate un célèbre voyage. Je prends. Moi, je voulais me soigner, en fait. J'ai besoin de soins. Parce que c'est pas que je suis empoisonné depuis 10 000 ans, mais Ah, c'est peut-être elle. C'est bon de voir Gorart surmonter la peur qui l'habitait depuis si longtemps. En ce qui me concerne, tous les Faés sont les bienvenus ici. Ah, ça, techniquement, je suis bien fait. Par contre, madame, vous avez une grosse perte d'arguments, si je puis me permettre. Alors, guérir des maladies. Putain, ça coûte la peau des fesses. J'espère que ça ne vendra pas à un fond à la caisse, parce que sinon, ça va me faire chier. C'est la glorieuse cité Alphar à l'est, où les forces du bien se rassemblent pour affronter les Tuatha. C'est un lieu enchanteur, dont l'histoire est depuis longtemps liée à la magie. D'accord, mais en fait, t'es quoi comme type de bestiole, toi? Ça, j'ai pas compris, en fait. Les forêts de cette région sont peut-être les plus denses de tout Amalur, et elles s'étendent d'Alestar à Aïsa. Ceux d'entre nous qui vivent à l'ombre de sa canopée donnent à Dalentarte le nom de Faeli, car c'est là que se trouve le siège du pouvoir des Fae. Ah, ça dit Amalur. La tour des gnomes se dresse à l'ouest, au-delà de Gorart et des ruines de la clairière d'Alestar. Toutefois, personne ne devrait chercher cet endroit. Il doit garder ses secrets. Ouais, en même temps, il est un peu mort, le coin. Prenez garde à vous. Bon, ce sera tout. Ah, immunisé contre la maladie. D'accord, bon, j'ai quand même droit à un petit temps pendant lequel je vais pas me prendre du poison dans le cul, quoi. Ben écoutez, ça va être la dernière mission qu'on va faire pendant cette session, alors je vais mettre un temps, un petit instant. Moi, je vais lancer ma bouffe, parce que ça met du temps à cuire, et je reviens de suite. Alors, les amis, alors, j'ai profité pour manger un bout de fromage, parce que c'est bon, le fromage. Et je vois que on a plein de merdier. Alors... Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va vendre ce qui est à vendre. Hein. Parce que là, on est bientôt en full inventaire, et ça, c'est pas bon.
C'est pas bon du tout. Alors. Besoin de quelque chose? Est-ce que à toi je peux vendre des choses? C'est excitant, non? Une faée vivant dans notre village comme quelqu'un d'ordinaire. Ça change un peu. C'est sûr. Alors toi tu vends des choses aussi quand même. Oh! Oh, wow. 47? Putain, c'est bon, ça. Dégâts d'hémorragie plus dégâts de poison. Ça me tente très bien, ça. Allez, j'achète. Alors, qu'est-ce que tu vends aussi? Cuirasse de destruction. Non. Cuirasse de fer. Non. Gant rigide. Non. 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 On croise quand même pas souvent des trucs de tête, tu vois. Oh, colis croisé. J'ai pas de collier actuellement. Ça va être bien, ça. Correspondant des légendaires. Intéressant. Vendre. Alors. Un arc à la con que j'utilise pas. Ça se vend. Le marteau de poète-poète. C'est un marteau plutôt balèze, quand même. On va le garder pour le péter. Ça. Ça n'a pas de capacité spéciale, ça ne vaut pas le coup, ça non plus. Ça j'ai déjà du glace. Parce que oui, il était temps de penser à raisonner convenablement. Je vais garder cet espadon-là pour obtenir un élément d'espadon. 5 dégâts de poison, je m'en fous. Dégâts de feu, j'ai déjà. Glace, j'ai déjà. Quoi que c'était des bons trucs de glace, donc ça va peut-être être intéressant de garder. Épée de fer, de la merde, de la merde. Alors, le voile de machin chouette. Le voile de mana et compagnie. Je vais le garder, ça pourrait être intéressant à péter pour récupérer des choses. Ça... Je sais pas, on va le garder pour le péter. Écu de poète-poète, on va le garder. Oh putain, attends, non. Merde, retourne au commerce. Alors, attends, ça, on va me garder pour le péter. Par contre, ça, c'est plus costaud. Ah, mais oui, 8 en finesse. Ah, merde. Jambière de merde. Peut-être le garder pour pouvoir faire des choses avec. Ouais, pareil pour ça. Alors, de l'essence, de la merde et tout. Essence de morage, on va vendre, on va pas garder des potions de merde. Régénération de mana, bloc venin. Résistance physique. On va garder, ça peut servir. Voler par coup, ça peut servir. Déjà, votre santé totale pour longtemps, ça peut servir. Pas de la merde. Augmenter les cas de glace. Ouais, ça vaut le coup encore. Poussière de poète, rideau d'acier, résistance, hémorragie, tempête foudroyante, venin. Potion instable. On s'en bat les steaks. Ah, d'accord, ça prend pas forcément qu'une seule place dans l'inventaire, d'accord. Ah, c'est un peu spécial, en fait. Est-ce que ça vaut le coup que je le garde, ça, ça se vend juste? Bah, ça se vend. Ah, yep. Plomb. Merdier. Plein de merdier. Lac de la Légion de machin de merde. Allez, voilà.
Vous serez toujours le bienvenu. Station. Toi, t'es bourré. Toi, t'es complètement bourré. Les temps bourré. Sont durs. Prendre des risques peut se révéler payant. Si vous avez une bonne lame et assez de cran pour ce genre de travail, sachez que les engagés ont besoin de bras. Malgré les jolis mots qu'utilisent certains, nous ne sommes rien d'autre que des mercenaires. Les meilleurs de la région. Les engagés ont prêté serment et sont tenus dans la plus haute estime sur les terres d'Amalur. Pourquoi pas ? Vous pourriez aller directement au donjon de Brokkel et proposer vos services. Ça pourrait marcher. Mais une recommandation de ma part aurait beaucoup plus de poids. Pour la mériter, vous devez accomplir un acte louable. Il y a ces deux frères, des gredins de la Légion Rouge. Osgar et Medgar Krast. Apportez-moi la preuve de leur mort. Je vous paierai en or et vous recommanderai. Ça marche. Osgar se cache dans la forêt au nord d'ici. Quant à Medgar, il a été vu pour la dernière fois à l'est du camp de son frère. Rapportez-moi leur dague. Je vous paierai en or et vous aurez mon soutien pour rejoindre l'ordre. Ça marche. Nous sommes des mercenaires. Personne ne forge ni ne manie l'acier mieux que nous. Le monde entier nous respecte. Rien que ça. Eh ben, allons-y pour ça. Content de vous voir. Content aussi. On change pas d'équipe qui gagne, hein. Alors, allons buter du vilain. Ah oui, j'ai testé ma nouvelle épée. Ça a l'air bien sale quand même, cette épée. Ok, d'accord. Choper de la merdouille au passage. Pas de raison. C'est pourquoi. Blue, t'es le magresse comme ça, quoi. Tu mériterais que je te tranche la tête. Un peu beaucoup d'aller-retour quand même dans le jeu. Hein. Allez, debout les connards. Hop, 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 hop. On se regroupe un petit peu. C'est bien, c'est des bons connards. Ça marche bien. Ça marche plutôt pas mal. Et puis en plus, c'est venin et saignement. Donc sur des bestioles comme ça, ça fait pas de différence, je pense. Donc elles sont en bois. Ouais, peut-être moyen que sur une bestiole qui est capable de saigner, ça fasse des choses. Elle me paraît hyper rapide l'épée maintenant que j'ai joué avec le... l'espadon. Oh, il y a un coffre. Voyons de quelle couleur est-ce qu'il sent. La lampe est sourde, de quelle couleur elle tient ? Votre sang. J'ai envie de dire. Merde, merde. Approche ! On va se tuer. Cool. Et le coffre ? Un sceptre de la merde. Charge de tir bon. Ah bah c'est le truc pour les dégâts en plus, ça tombe bien. Bonjour, bonjour, gentes dames et doux messieurs. Ah.
je vais vous tuer. Oui, c'est parce qu'il me semblait, c'est un ennemi, lui. Putain, il a craqué cette épée. Non, mais ça va me dire. D'accord, c'est ce qui fait peut-être que je les ai butés. C'est ça le délire. Alors. Ah, putain, merde. Ils sont plus pour de la merde. Il va falloir quand même que je me rechope des crochets, hein. Commence à quand même être un peu la faillite. Ouais. On va prendre tout. Alors, on va se taper. On va pas se casser la tête plus que ça. Et c'est qu'il y a un peu de mal. Alors, c'est bon, j'ai buté tes mecs. Autant ? Bravo, personne ne les regrettera. Emportez ceci au donjon de Brockel et allez voir Tiné Delfric. Ma parole suffira pour qu'il vous mette au travail. Allez au nord de la ville, puis suivez la route vers l'est. Vous trouverez Tiné Delfric là-bas. C'est lui que vous devez voir. Un peu bugué je quand même. Les engagés flottent sur notre prochaine rencontre. Pourquoi il continue à avoir une icône de quête, lui? Bienvenue. Alors. Bon, je pense que je peux arrêter de casser les caisses pour récolter deux piécettes. Bien le bonjour. Ouais, c'est ça, bonjour, bonjour. Non, j'aurais démantelé. Non, ça sert à rien. Ça peut être cool. Foudre, j'ai déjà. Pourquoi pas de la glace, oui. Il y a que des coups que ça peut servir. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Non. Ça peut servir. Alors, l'espadon de fer à la con, oui, pour récupérer une lame en fer. Ça pourra servir à l'avenir. Ce cuir, on s'en fout. Ça par contre, ça débloque plein de choses apparemment. Pourquoi pas. Alors ça, c'est ce que j'ai utilisé, donc on va le garder. Alors, Ouais. De quoi avez-vous besoin? Ouais, réparation peut-être. Pourrait pas être con. Dans l'ensemble, ça a l'air d'aller. Je change régulièrement d'équipement, donc oh, pas nécessaire. Vous savez où me trouver? Tout à fait. Entrez. Toi, par contre, tu peux vendre des choses sympas, je pense. Vous n'imaginez pas comme nous sommes occupés depuis l'arrivée de cette faille. Ok. Arc long, dague, espadon de la merde. Ah, un homme en fer. Ce qui serait quand même vachement plus efficace que ce que j'ai en ce moment. Après, est-ce que tu vendrais pas de l'équipement, enfin de quoi en faire un homme en fer en fait? C'est vachement cool ce truc. Bon, quand même vachement cher par rapport à ce que c'est utile. Décroche. Oh, je peux prendre un sac à dos.
Pouvait pas être con, ça. Hop, curage, sans bière, capuchon, coton. On a du puits, document déchiré. Ah non, j'ai pas de quoi me faire un enfer. Dommage. Alors. Il coûte combien l'homme en fer à la con? Bah, je vais m'acheter le home. Et le sac à dos. Voilà. Revenez voilà, me voir. Voilà, voilà. J'essaierai d'y penser. Alors, inventaire, armure. Home en fer. J'ai l'air ridicule. Mais au moins, ça augmente l'armure. Tac, tac, tac. Merde, c'est que j'ai des bordels à vendre. Fabriquer... Non, en fait, j'ai rien à fabriquer. Non, oui, j'ai rien à fabriquer du tout. Toc, 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 toc. Que vous faut-il aujourd'hui? Alors, du coup, l'arc de merde, on vend. Légendaire de merdouille, on vend. Talisman. Ça fait déjà un petit pécule supplémentaire qui est pas négligeable. Cool. Oui, je voudrais te racheter des crochets en fait. Parce que je commence quand même à en manquer. Bah, fais-moi une dizaine, allez hop, tu passes une économie dedans, et puis voilà, c'est fait. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on est enfin complètement occupé de ce village. Au bout du prochain épisode, on butera du poulet évidemment. Alors, ça changera pas. Mais surtout, eh ben, on va attaquer l'histoire principale. Aller rejoindre Monsieur Tisseur du Destin. C'est bon, le village est pacifié, j'ai tué tous les poulets. Non, poulet ! Ma propre poulet ! Alors... Voilà, je me sens mieux. Alors, oui... Donc, et puis voir bah, du coup d'où mène cette histoire, parce que bon, depuis tout à l'heure je fais des quêtes et tout, machin... Ça doit peut-être commencer à devenir un peu saoulant en fait, parce que c'est vrai que les quêtes sont quand même... Putain, j'arrête de faire du bordel... sont quand même vite assez rébarbatives, je trouve. Au final. Après, bon, dans l'absolu, pour ce que ça change... Bref, on va bien voir ce que... où est censé nous mener l'histoire principale de jeu, dans donc le prochain épisode. Voilà, donc j'espère que vous appréciez toujours cette série. Moi, en tout cas, je vous dis à plus tout le monde. Mangez des pommes et du lait, portez-vous bien. Passez sur mon Facebook et mon Twitter si vous êtes tenu au courant de toute l'actualité de ma chaîne. Laissez un petit j'aime si vous avez aimé les vidéos. Laissez un commentaire si vous avez quelque chose à dire. En tout cas, moi, je vous dis à plus pour la suite de Kingdom of Amalur: Reckoning. Allez, salut.